Je dis à accord 11 septembre 2021, et bien son accord renforcé, son accord de représentativité, son accord politique de légitimité. Et, amis, frères, sœurs, on fait route là ensemble. Personne ne peut pas nous voir avec nous. Ensemble, et je dis à constater accord 11 septembre 2021, 5 à 0. Nous 5 à 0. Je ne parle pas de l'accord 11 septembre, non, je ne parle pas seulement de SDP. Je parle de toute notre structure politique, de toute notre société civile, dans la diaspora, dans la section communale, qui s'y est accord. 11 septembre 2021. Nous 5 à 0. À toi, moi, 5 à 0. 5 à 0 sur PHTK. 5 à 0 sur nous allons grâce au pays pendant 10 ans. Nous 5 à 0. Premier goal du matin, de gagner dans le paquet Port-au-Prince, le commissaire du gouvernement qui t'a persécuté. Militants politiques, pas cette des citoyens. Après un aspect, deuxième goal, tout le monde qui s'y est accordé en septembre dans ma quête, c'est un ministre de la justice qui t'a bloqué dossier libération prisonnier politique. Troisième goal, tout le monde qui s'y est accordé en septembre. 2021 marqué. J'ai gagné le directeur général de la police. Il t'a placé la police, divisé la police. L'été là, net qui chef gang dans Genève, il a acheté 4 têtes calées. Il te comprendre. Bandit est capable toujours continuer à tailler mandat. Eh bien, ça passe lui. Vous avez dit, il faut un gouvernement qui est plus ou moins équilibré. Vous ne pouvez pas accepter de participer du gouvernement. Côté, c'est Matéli qui contrôle, c'est Jovenelis qui contrôle, c'est PHTK qui contrôle, c'est l'Orbeio qui contrôle. Eh bien, je dis, nous avons un gouvernement qui est plus ou moins équilibré. Ça fait 4 à 0. Et, cinquième goal, nous marquons, c'est très important. Cinquième goal, nous marquons, c'est très important. Aujourd'hui, nous commençons à joindre libération prisonnier politique. Jean-Bertrand Aristide dit, la reconnaissance et la mémoire du cœur. Wow. Eh bien, maintenant, on recevoir appel Madame Kilik qui dit maître, remerciez dirigeant SDP pour moi. Remerciez militant SDP pour moi. Remerciez tout le monde qui s'est accordé en septembre pour moi. Ça veut dire qu'il connaît. C'est accord en septembre. Qui retire mon stade, qui vient empêcher de se poursuivre politiquement avancer. Nous recevons appel comme Joannel Paul, qui dit mais nous ne pouvons jamais suspendre SDPMS. Nous ne pouvons jamais suspendre les gens qui s'y apportent en septembre. Merci. Parce que le dossier a été bloqué. Il y a un obstacle politique. Je dis, il n'y a pas un obstacle politique encore. Tout dossier a avancé. Alors, la vérité, c'est que, encore 11 septembre 2021, nous signons avec une bonne lot d'organisation politique, avant ça, pour retirer un cas qui était empêché de joindre libération prisonnier politique. Et qui empile l'autre prisonnier politique qui est en prison. Personne connaît, pour toi, on va nous l'autre à travers le pays. La garantie que nous voulons donner aujourd'hui à la population,
c'est que pas aucun prisonnier politique qui a venu là. Et dans le jour où il venu là, nous devons rencontrer avec les autorités pour nous capables d'accélérer le dossier de libération des prisonniers. Ça c'est résultat, ça c'est 5 à 0. Ça c'est pas palampir, c'est pas blablabla, c'est pas attaquer SDP, attaquer du GSDP, ça c'est résultat. Les populations intelligentes, regardez, du monde qui a pris l'école, du monde qui a pris l'école. Résultat, c'est nous qui a pris l'école. Secteur démocratique là, nous avons toujours dit nous ne pouvons pas le peuple à mentir. Nous avons toujours dit nous avons transparence. Nous ne pouvons jamais faire rien en bataille. Première fois nous décidons de rencontrer Ariel Henry, nous faisons une note pour nous dire nous allons rencontrer. Et là nous finissons rencontrer, nous faisons une conférence de presse pour nous dire, mais qui ça nous dit avec? C'est le SDP. Nous faisons un accord politique qui a presque 700 organisations là-dedans. Ce n'est pas avec 100 000 nous qu'on fait un accord politique. 30 août 1993, Jean-Bertrand Aristide signe un accord politique avec Raoul Cédras. Et nous tous connaissons, après coup d'État 30 septembre 1991, Raoul Cédras, Michel François, Toto Fessin, eh bien, ont été assassinés plus de 10 000 partisans Jean-Bertrand Aristide. Mais 30 août 1993, Jean-Bertrand Aristide a un accord politique. Et c'est un accord politique ça qui fait le connaître. Bon, j'ai appris pas que nous avons séparé. Comme ça veut dire, l'offre un accord politique avec mon monde. J'ai appris que nous avons séparé. L'offre un accord politique avec mon monde. Nous avons été adversaires. Et c'est ça la vérité. La vérité, c'est ça. Alors, accord politique, nous fait. 11 septembre 2021, c'est un accord politique pour continuer à porter revendications. Le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement qui est plus ou moins équilibré. Tout le monde connaît le sénateur Ricard Pierre qui représente le secteur démocratique et populaire. Nous n'avons pas rien à vous cacher. Tout le monde connaît côté Rosemont Fradel sorti, c'est une jeune fusion. Tout le monde connaît côté Alex Lassen sorti, c'est mon Sorel Jassen, la soumise. Et c'est mon dans le secteur salié. Tout le monde connaît bien. Et les ministres qui sont dans la société civile, donc le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, tout le monde connaît. Et le ministre intérieur, c'est ça, mais nous, pour Jean-Charles, c'est ça, l'éducation. Ariel Henry, c'est un dossier important. Par exemple, je dis moi, dans un Saint-Marc, dans un Miraboine, nous n'avons pas faire conteneur. Si on voit une machine dans le droit, nous n'avons pas faire une facture là-dedans pour faire. C'est très démocratique et populaire. Pas accepter des décisions ça. Bon tacon. Décisions ça a été prises. Déjà, depuis la Jovenel Moïse était là. Mais c'est très démocratique là. Oui, il faut que décision ça levé. Il faut que nous capable de faire conteneur, c'est Marc. Il faut que nous soyons capable de rentrer dans la boîte. Parce que c'est très démocratique là, c'est bon côté. Le peuple a nous. Et la semaine ça, nous allons demander au premier ministre Ariel Henry pour la France. Nous parler avec lui. Nous capables de retirer la décision ça. Parce que la décision ça, il est pénalisé. Le peuple là, il pénalise la diaspora. C'est pas contre la population. L'autre bagaille, qui qualité des ordres, ils ont fait nos diplomatie. Nos diplomatie, ils ont mis des consuls, nous sommes l'ordre, vice-consuls, ils ont fait 30 vice-consuls. C'est très démocratique. Vous mentez. Gagner, vous passez mes différents,
nan diplomasi peyi a. Lavaj la presyon. Ou pa ka mette 25 mis konsul, non ti konsul la. Se te zov, yo pourre diplomasi avek moun. Se de moun ki pa oken kompetans pou sa. Se pe de moun ki pa se jek. Jim Jack! Par exemple, Jim Jack! E, mwen men mwen bagen moun la. Ki bagen kompetans pou li. Moun la SDP, ki bagen moun la avek moun. Moun bagen person moun, moun gayi, moun skalisye. Men, fwa nou d'akor, Léon Charles va nan plas li. Léon Charles va nan plas li. Léon Charles va nan plas li. Pati pou yo rabal, moun tjo. Jini fon fon manje. Plek nou bal depose pou li. Pati pou yo rabal, moun tjo. Jini fami. Men, oya, son organizasyon important, ebyen, prezans Léon Charles dan oya, e moun tjo, deranje se vren demokratik la. El deranje tout bon. La pe pou kel defwa. Sa ve di. La pe pou kel defwa. Sa ve di ki sa. Secteur démocratique et populaire a toujours continué à accompagner le peuple dans la bataille. Nous rentrons dans un accord politique avec toutes les revendications du peuple. Dossier Petro-Caribé, dossier Massacre, Saline, Belès, Soleil. Faut que dossier ça ait avancé. Faut que tout prisonnier politique libéré. Faut que sécurité dans le pays. Et c'est responsabilité pour vos leaders qui doivent être la communauté. Faut que les mesures du plan pour améliorer les conditions de la vie de la population. Faut bataille pour la corruption continuer. Parce que ça a été fait dans l'organisme autonome. Le secteur démocratique et populaire a continué à bataille. Vous avez dit ça? Il n'est pas assez sortir. Pourquoi tout le monde a attaqué le secteur démocratique là? Mais d'abord, vous avez supporté de caler. Parce que, bataille ça qui est là. Bataille ça, ma gueule devant là. Pour ça, vous avez attaqué le secteur démocratique là. Vous avez mené. Bataille pour empêcher PHTK retourner son pouvoir. Bataille pour empêcher Jovenel Issoro pour pouvoir. C'est ensemble pour nous mener la bataille là. Mais, secteur démocratique et populaire là. C'est avec lui pour nous faire bataille ça. Pour ça, on a fait des attaques sur nous. Ça, on va comprendre. Donc, on va faire des batailles ça. Bataille ça, non, on va pas. Ça veut dire, de vous pas vrai PHTK retourner son pouvoir. De vous pas vrai matériel pour pouvoir. Vous pas vrai Jovenel Issoro pour pouvoir. Vous devez mettre ensemble avec le secteur démocratique et populaire. C'est deux candidats pour le sénateur à ce sujet. Alors, mes chers amis, la continuer pour des résultats. Je vous dis, je ne vais pas répondre à la taxe à droite à gauche, je vais continuer à porter les résultats. Problème de l'Amérique, c'est un gros problème. Attendez, je vais vous dire, nous prenons le dollar, à un taux inférieur. Et à ce marché-là, nous prenons le dollar tête net. Nous allons battre avec Banque Centrale pour suspendre vos dollars, peuple là. Ça veut dire que le secteur démocratique là, c'est pas côté peuple à l'unité, pas côté diaspora. On ne peut pas attaquer nous, suspendre, il n'y a pas de résultat. Parce que tant qu'on va attaquer nous, on va se craser nous, on vient que la réalité plus près nous toujours. Parce que le peuple à l'intelligence, il constate que même si on n'a pas égale dans le machin, on n'a pas avancé, on ne peut pas prendre l'intérêt personnel. On va finir pour remercier le sénateur du Cap-Pierre. Sénateur du Cap-Pierre, descend. Le grand tribunal là, il fait une déclaration patrimoniale. Il dit, mais qui ça veut dire? Ça veut dire, il n'embauche une transparence. On va gagner, on va faire ma cachette et on va continuer. Merci.